Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2 sur la campagne avec le seigneur Roland. On reprend au début du nouveau scénario où on en était resté, donc une fois de plus il va falloir qu'on fasse très attention, on est face à plusieurs seigneurs et sur une toute petite carte, alors je pense qu'elle est un tout petit peu plus grande quand même qu'il n'y paraît, mais ça va être tendu. Ça va être extrêmement tendu, donc il va falloir faire très très attention. On va essayer de faire la cathédrale le plus possible, mais ça va être plus dur que l'autre fois, je pense. Puis Égrange, ben pour la forge, on va faire le, ouais, le puits. Hop. Ça n'est pas un peu difficile. Heureusement, je vois des nains juste là. Un peu plus de défense, ok, on prend. De l'expérience on prend, on va prendre plutôt le charisme. Ouais, on va prendre le charisme à fond. C'est super important, on va jouer là-dessus. La forge, voilà, ça va être fait. L'armurerie nécessite la taverne. On va aller récupérer les nains qui sont ici aussi. Il y a déjà un héros là. On va aller directement lui taper dessus. Peut-être faire pouvoir faire mieux que ça. Quoique pas sûr. Ouais, pas fait beaucoup mieux en fait. Pas grave, on l'a au moins repoussé. On va aller prendre tout ça. On va renforcer. On va renforcer l'archerie. Commencer. Encore plus de défense pour les troupes. Parfait. Mysticisme, orientation. On va prendre mysticisme, même si pour moi on n'a pas de magie. Et finance. Finances avancées, voilà, comme ça au moins on n'est pas trop mal. On va également faire la statue plutôt. À la guilde des mages maintenant. Je vais bien pas me faire prendre toutes les ressources, donc je traîne pas trop. Voilà.
La forge renforcée. Alors. On va reprendre ça, ça et ça. Ok, c'est déjà un peu mieux. J'aurais dû prendre la guilde des mages niveau 2. Ah ouais, en plus l'éclair. Non, faut que j'aille le chercher. C'est con de ma part, mais faut que j'aille le chercher. Hop 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 hop. On va se calmer. Voilà. Ah, je vais voir si on pouvait pas faire mieux. Ah ouais, alors non, alors, ok, c'est bon, je suis con. Permettez, je fais trop vite les choses. La même, mais bon, en achetant un bouquin, c'est mieux. Voilà. Ah bah du coup, on l'a battu. Forcément avec la magie, c'est mieux. Bah voilà, je vais pas refaire le combat. C'est pas la peine. Sagesse ou chance? Ah, de chance. Pour le moment. On va bloquer l'entrée. Pour la reine, il nous faut 20 de bois. Oui, il faut qu'on aille récupérer déjà. Tant que on gagnera pas de bois, ce sera compliqué. Si je joue en premier, là je peux rien faire, mais. Ouais, mais je joue pas en premier, donc on le laisse pas fuir, merci. Lance expert, on reprend le château, bien évidemment, parce qu'il a pas le temps de recruter de toute façon si peu de temps. Et voilà. Et la cathédrale, il faut du bois aussi, hein. Ouais, il faut vraiment que j'aille prendre le bois au tour d'après là. Non, ça va aller. Voilà. Voilà, on prend les nains. Très important. On prend l'objet, les ressources. On recrute. Et ouais, si j'avais eu assez, j'aurais même pris un autre héros. Ben là, je peux pas, mais. Je le laisse fuir. Voilà, je vais pas prendre de nouveaux héros tout de suite. Faut vraiment que j'aille voir si j'arrive à choper. Peut-être pour faire la reine, non? Non, faut 20. Qui vient nous attaquer.
Plus de nains, encore plus de chance. La cathédrale, il manque un diamant. Je sais même pas si on a la mine de diamants. On l'a plus, bien évidemment. Donc on va faire une place de marché. Et on va en échanger un. Coûte cher, mais tant pis. Ouais, d'accord, on a vraiment des châteaux très très proches. On a perdu quelques troupes quand même, mais ça va, honnêtement. On est pas mal. Il n'y a pas de nid ici, ok. Et parfait, on l'a pris au bon moment. On va pouvoir recruter en plus, ça c'est top. C'est combien? Donc là, si j'en recrute un, il me manque 550. Ok. Non, il me manque encore un. Voilà. On en profite pour faire un peu d'XP. Je vais s'avancer et puis on va voir après ce qui se passe par là. Ça c'est trop tard, ça c'est bien. On n'a plus trop de sous pour le moment. Quand même de quoi garder un peu les lieux. Oh, beaucoup de déplacements, elle. Mais bon, on va faire gaffe quand même. Hein. Voilà. On va attendre de voir ce qu'elle fait. On va y aller, tiens, faire ce bâtiment là. Ouais, recruter des méduses. Attends. J'ai pas de sous, mais on va le faire. Hein. C'est sympa les méduses quand même. Et toi, tu vas te barrer, je m'en doutais. Archerie principe, oui, tout à fait. Attendre quand même que ça se barre un peu plus. Non, ça fuit, tant mieux, cassez-vous. Battre le paladin, oui, bah oui, évidemment. Par contre, ce déplacement en mer, je m'en fous, c'est pas grave. C'est plutôt ça qu'il faut que j'aille prendre.
Non, non, moi si ça fuit, je ne vais pas les poursuivre du tout. Logistique, ça je prends. Oui, ça c'est bon aussi. On prend. On prend. Oh, l'armée de nains, ça commence à faire, c'est intéressant. L'efficacité des sorts d'invocation, ok. Pas sûr qu'on en ait trop besoin, mais c'est pas grave. Ça, allons voir ce que c'est. Si on a tout fait. Ok. On va renvoyer les fées, on va recruter eux, eux, eux et eux. Voilà, ça commence à être une armée sympa. On va aller prendre tout ce petit monde et puis avec elle on va commencer à aller chatouiller un peu les méchants. Bisous, comme on dit. Ok, il nous ignore totalement. Ça fuit. Pas de problème pour moi. Ouais, c'est vraiment une carte méga petite. Rien ici. Non, bon, je pense que ça va se faire tranquille. Hein. Bon bah. Plus qu'à aller le choper lui et puis c'est bon quoi. Oh, c'est tranquille cette petite mission. On se souvenait pas qu'elle était aussi courte. Oh, bah viens de face tiens. C'est une victoire. Mon prophète m'a rapporté que vous aviez refusé de me trahir. Il semble qu'une fois encore, j'ai une dette envers vous. Soyez bien assuré que lorsque nous en aurons fini avec l'ennemi, je saurai vous récompenser de votre loyauté. Les sorcières de Noraston ont besoin d'aide. Elles ont soutenu publiquement notre cause, ce qui a, semble-t-il, froissé Archibald. Ce dernier a aussitôt envoyé une armée à notre rencontre. Il veut qu'elles servent d'exemple. Il nous faut les défendre si nous voulons préserver notre crédibilité diplomatique. J'ai demandé à Lord Alton de vous rejoindre. Il vous aidera à protéger les sorcières. Laissez-moi vous remercier encore une fois. Bonne chance. Mais pas de problème, pas de problème. Ok. Alors... On a toujours l'Alliance des Nains. Donc la guilde des sorcières de Noraston a demandé l'aide de Roland contre une attaque des alliés d'Archibald. Capturez tous les châteaux ennemis pour gagner. Ne perdez pas Noraston ou vous perdrez le scénario. Indice, il y a un château ennemi sur une île dans l'océan. C'est gentil pour l'indice. Alors, on a le choix entre trois sorts de départ. Le miroir qui crée un peloton provisoire mais qui disparaît quand il prend des dégâts. Invoquer un élémentaire de terre. Ça coûte 30 points de mana mais c'est très très bien. Et résurrection. Réussite les créatures d'un peloton dommagé ou mort jusqu'à la fin du combat. Je vais prendre les... eux ils sont hyper résistants de mémoire donc ça peut toujours faire chier. On est parti. Dieu merci, vous voilà enfin. Deux héros adverses nous ont assiégés. L'un est venu du nord, l'autre a débarqué sur les côtes. Aidez-nous, je vous en conjure. Vous êtes notre seul espoir. On rappelle quelque chose ça.
Alors, on pourrait en faire un château ici. Ok, c'est bon à savoir. Lord Alton, le chevalier, il commence avec. Ok, 20 bonhommes comme ça et 5 génies, c'est pas mal. Perle blanche, le sac d'or sans fin. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et elle, elle a des nains et... Ah oui! Château déjà, ma foi, correctement développé. Un puits, ensuite. Elfes et des fées. Ok. Oh, Aston, on va le perdre celui-là. Pris. Ok, donc lui, comme il a quand même. Par contre, on est sur un terrain de merde. Charisme expert, oui. Il a quoi lui? Charisme, diplomatie. Oh, c'est chiant, j'aime pas diplomatie. J'ai jamais aimé ce trait. Bon, faudrait qu'on voit s'il n'y a pas des nains dans le coin. Ou autre. Ok, on compte quand même XP. Il y a de l'or. Je pense que c'est lui qui ira prendre tout ça. Bon. Cromlech. T'as de connaissance de 2, ok. Bois, c'est oui. On peut faire le grand cromlech, on peut faire aussi l'archerie renforcée. On va faire les deux hein, de toute façon. Mais... Oui, ma sellette de pont ancien était aperçue au nord-est. Ok. Bien que c'est pas bon signe ça. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, des nains, plein de nains. Yes. Autant les choper rapidement avant que l'ennemi les détruise. Vingt et 5000, ouais, il manque de la pierre hein, de toute façon. Finance principe, allez on prend. Ok, il y a beaucoup de centaures hein, dans le coin. Statue, j'avais pas vu qu'elle était pas faite pour générer plus d'or. Non. Est-ce qu'on veut les attaquer? Non. Le pré, il nous faut. Ouais, le pré, on n'est pas loin de pouvoir le faire. Non. Tiens, il est là, lui. Connaissance ou diplomatie avancée. Bon, on va regarder en diplomatie hein, maintenant pour on en est. Hein. Oh, c'est intéressant ça. Même pas gardé en plus. Ok, la tour rouge. Pff, il va nous manquer pas mal de choses. Je pense que j'aurais démarré un deuxième château d'ici là.
C'est un peu cher, mais on va le faire parce que voilà, ça me permet d'avoir des troupes quand même. Non, connaissance principe. Un titan, non, non, bon, non, non, ça va aller. On va se calmer. Ouais, attendez, excusez-moi, je regardais juste un truc. Okay, j'ai des petites erreurs, rien de bien méchant. Ah! Ah ouais, ok. Ouais, ok, d'accord. J'étais en train de redescendre, justement, mais mais là, ça va être chaud. Ok, il attaque pas. C'est déjà pas mal. Putain, il y a du monde. Oh la vache. Oh la vache. Lui, c'est bon. On s'avançait, ouais. Lui, c'est bon. Les autres, ça va être plus tendu du cul. Hein. Je peux plus trop fuir là. Il y a un artefact là. Un cyclope. Ouais. Ouais, le cyclope, ça va, c'est pas trop dur un cyclope. Voilà, ça sera fait. Prends-lui, je pense qu'il va morfler le héros là. Ouais, on prend le village, bien évidemment. Je crois qu'il s'y risque pas trop, hein. Je vais continuer de les rusher un peu. Je vais même voir si je peux pas aller prendre un château là-haut. On est jour 5. Ouais, si, y a moyen. On va attirer l'attention. On va totalement attirer l'attention là-haut. Ça, c'est chiant par contre, qu'il va falloir gérer aussi quelqu'un qui peut débarquer avec des bateaux. Ça va être bien relou. Tiens, elle donnerait pas orientation par hasard? Non, finance. Bon, c'est pas grave, c'est pas mal aussi. Ok. Non, ça a changé d'avis apparemment. Je tente. J'ai bien fait. J'ai totalement bien fait. J'ai, mais alors, totalement bien fait. Du fantassin ou 24 centaures? Ça, c'est la grande question. Je pense que je vais faire ça quand même. Hein. Va bien rester dedans, toi. Hein. Heureusement, les nains, ils vont pas en venir à bout comme ça. Hein. Ouais, vas-y, prends le village si tu veux. De toute façon, là, je vais attendre le nouveau jour avant d'aller. Là aussi, hein, je vais recruter avant d'aller voir les autres. La reine améliorée, oui, carrément, mais carrément.
Ici rien de spécial. Allez, on passe le tour, on les laisse se balader un peu. Ils s'amusent. Comme d'hab, hein, beaucoup de héros. Par contre, beaucoup de héros faibles. Ouais, des héros faibles quand même. Hein. Ouais, non, ça j'ai vraiment pas assez. 5 et 5. Le bois, ouais, le bois, j'ai pas assez non plus. On va prendre ce qu'on peut, hein, clairement, voilà. Montrer que je suis dans le coin, ça va un petit peu les faire sortir. On va les faire coucou, on va voir si ça les fait un peu sortir. Bon, lui, par contre, je peux carrément le casser en deux. Hein. Et à un moment, bon. Attendez, je suis pas recruté en plus. Alors, des archers. Deux. Et des druides. Voilà. On va les attirer un peu. Oulala, oulala. Voilà. M'emmerder, mais au moins on a pu en supprimer un déjà. Qui n'a fait que fuir, certes, mais quand même. Lui, je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà, il fuit. Faire vraiment attention, hein, parce que voilà, toi tu débarques, ok. Alors, je sais pas ce qu'il a comme troupe, hein, faut que je fasse gaffe quand même, mais. Ouais, je suis supérieur quand même. Ah, sagesse principe, orientation principe. On va prendre orientation quand même. Ça, on va le prendre juste pour le prendre. Juste pour, voilà. Pour dire. Et là, on va attendre à peu près par ici. Pour toi, au revoir. Et là, on va le rusher. On l'a bien, bien tué lui. Sagesse avancée, ok. On recule quand même au cas où. Pas trop prendre de risques. Ok, c'est bien, ça redescend. Donc avec lui, du coup, on va pouvoir retourner à... Ah ouais, je sais que je simule un peu plus les combats qu'avant, mais bon, c'est pour c'est quand même plus simple quoi. Faire certains combats, oui, mais d'autres, bon, pas tous passionnants à faire, donc
On va attendre là, voir ce qui se passe. Il y a quand même du monde, hein. Bon, on va y aller. Je pensais bien qu'on gagnerait quand même. Chance principe. Histoire au moins de dominer ce continent, ce serait bien. Finance expert, voilà, plus de joueurs jaunes. Déjà ça te prie. Alors allons voir un peu les châteaux là. Ok, la tour rouge on peut pas. Ici on peut faire la guilde de niveau 2, on va la faire. Je récupère toutes mes mines. Voilà, tranquille ça. Plus de joueurs rouges. Bon bah parfait. Ah, tiens, ça débarque. Tac, 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 tac. Attends, on reprend un peu tout. Ouais, j'ai la flemme de tous les développer, les châteaux par contre. Mais bon. Faisons-le quand même. Ouais, ça repart. Hein. Je suis pas bien surpris. On n'a pas de savoir, donc on peut pas faire plus que second cercle au niveau des sorts. On peut l'attaquer hein, dans le bateau. Ça supprime carrément le bateau avec. Parfait ça. On va préparer des héros et puis quand tous nos héros seront prêts, on partira débarquer sur l'autre côte. Enfin sur l'autre continent du coup. Hop. Ici on n'a rien de plus à faire. Je vais faire ça pour le faire au cas où. Ici, bah si, il nous manque la basilique. Bah pour faire la basilique c'est facile en fait, on peut la faire. Alors, tac contre tac. Non, peut-être pas ça contre ça, voilà. Ok, donc là on a presque tout repris. Crâne pyrale, ouais, compilé, ouais. Squelette, des zombies, et on a plus de sous. Ok, ça débarque à mort hein, quand même. Hein. Ils sont chauds. Moins 1.
et B. Tout ça, archerie, principe, oui. Ouais. On n'avait pas fait le belvédère, bon, on va aller le faire. Donc, bon, on est tranquille, hein. Quoi ça? 86, 75, 309. Ok, mais admettons. Navigation principe, ok. Archerie avancée. Et puis après on peut aller reprendre petit à petit les trucs là-haut. Parce que par contre, hop, je peux recruter. Mais bon, ils sont peut-être. Non, ils sont pas très puissants, ça devrait aller. Voilà. Charisme principe, c'est bien ça. Voilà, 2000 pièces d'or, ça en est. On en avait vraiment besoin en plus. Bon, on va commencer à regrouper les troupes. Non, on s'en fout, oui. Les fantômes, je vais pas les faire dans le doute. C'est chiant les fantômes. Je vais aller reprendre des troupes. Ok, guide des mages niveau 2 ici. On va prendre un héros. Magicien, ouais, parce qu'au moins il commence avec un livre des sorts. Par contre, renvoyer, oui. Ouais, j'étais pas obligé de les renvoyer, mais bon. Pour manoir, il faut. Ah oui, j'ai déjà fait un truc à ce tour-là, c'est vrai. Voilà, donc avec tout ça déjà. Je suis à combien de vidéos là? Au 43 minutes, ouais, il est temps que j'arrête ma vidéo largement. Après ce petit combat, voilà, on les rechasse encore une fois. Et bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite de cette campagne qui se passe très bien. Et puis on se dit à bientôt sur les jeux du site. Merci tout le monde de m'avoir suivi. A plus, bye bye.